Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, vous vous en souvenez, j'avais terminé mon parcours introductif avec Diderot. Si le supplément au voyage de Bougainville m'intéresse tant, ce n'est pas que l'on y trouve une définition en bonne et due forme de l'universalisme, c'est au contraire parce qu'on ne l'y trouve pas. Comme nous l'avons vu, le dialogue n'est pas un manifeste, il est plutôt le témoignage d'une audace et d'une incertitude en ce moment de l'histoire européenne, le XVIIIe siècle, où l'existence d'autorités légitimes chargées d'édicter des règles universelles semblait ne plus faire l'objet d'aucun consensus. Au-delà des difficultés d'interprétation, ce que le texte de Diderot met en cause, c'est la double autorité du prêtre et du magistrat, cette alliance de la loi religieuse et de l'autorité politique. La religion est la première visée, à travers la figure de l'aumônier, vous vous en souvenez, dont les certitudes sont réduites à néant, davantage que par les raisons de son interlocuteur. Au roux, c'est par son propre désir que l'aumônier est vaincu. Au Tahitien qui lui propose de passer la nuit avec une de ses filles, il ne peut que répondre chaque soir, désemparé, la même chose, « mais ma religion, mais mon état » pour finalement s'exécuter. Autrement dit, la loi religieuse, naguère universelle, ne pèse plus rien devant la loi de la nature, celle de la sexualité et de la reproduction, et face aux coutumes des autres peuples. Représentant de la loi divine, l'aumônier n'est même plus une figure hostile, une autorité à abattre, il est un personnage de comédie, presque de farce. Autant dire que l'Église chrétienne, qui avait été si longtemps en Europe l'institution garante de l'universel, apparaissait moins dangereuse que ridicule. L'universalisme a une histoire, disais-je, en voici la preuve, car l'universalisme n'est pas seulement une théorie philosophique, il est un discours porté par des institutions, articulé à des pratiques sociales et destiné à produire des effets. Cette histoire, on peut l'écrire à différentes échelles. À partir de janvier, je vous l'avais dit, nous inscrirons dans une temporalité et une géographie restreinte, celle du XVIIIe siècle européen, de façon à étudier au plus près la façon dont les Lumières ont cherché à reformuler les discours de l'universel. Mais on doit aussi rappeler que la modernité n'a pas le monopole de l'universel et de l'universalisme. Bien sûr, le terme universalisme date du XIXe siècle. Mais en revanche, la revendication d'universalité, l'idée que certaines idées, certaines pratiques ont une portée universelle, que leur validité, leur autorité, leur légitimité ne s'inscrit pas seulement dans un cadre local, dans un contexte particulier, mais s'étend en droit ou de fait au monde entier. Eh bien, cette croyance-là, que l'on peut bien appeler universalisme, c'est au fond la définition que j'en donne, eh bien, cette croyance-là, elle a une histoire beaucoup plus longue qui remonte à l'apparition des religions monothéistes et aux principales formations impériales du monde antique. Alors rassurez-vous, néanmoins, je ne compte pas me lancer aujourd'hui dans une histoire universelle de l'universalisme, même si cela aurait assurément du sens, peut-être même du panache, de comparer les conceptions de l'universel dans quelques grandes civilisations, depuis le zoroastrisme iranien jusqu'à la Chine confucéenne, en passant par l'islam médiéval. Mais une telle ambition, que François Julien avait commencé à esquisser dans son livre « De l'universel », dépasse de très loin mes compétences et devrait plutôt être l'objet d'un colloque mobilisant différents spécialistes, les universels multiples en quelque sorte, on est comme ça une série. Dans la séance d'aujourd'hui, mon objectif est donc à la fois plus modeste et totalement démesuré, puisque je voudrais vous montrer comment l'universalisme des Lumières s'est construit sur les ruines de l'universalisme médiéval. Par là, je veux dire deux choses. D'une part, c'est parce que les différents éléments qui constituaient
L'architecture normative et sociopolitique de l'Europe chrétienne se sont progressivement délitées que les philosophes du XVIIIe siècle ont dû produire de nouvelles théories de l'universel. Ou pour le dire plus simplement, qu'ils ont cherché à fonder la morale et la politique sur de nouvelles bases. Mais de ces ruines, contrairement aux apparences, ils ne se sont pas simplement détournés. Ils les ont réemployés, les rendant parfois méconnaissables, mais non moins efficaces. Ce qui n'est pas surprenant, car le répertoire des valeurs et des pratiques à portée universelle n'est pas indéfini. Aussi, il est nécessaire de tirer quelques fils, de rappeler certains motifs des langages de l'universel qui ont dominé l'Europe occidentale sur la très longue durée et dont les lumières héritent tout en les combattant, car nous les retrouverons par la suite. Alors, le premier fil à tirer, c'est bien sûr celui de l'universalisme chrétien conçu à la fois sur le plan de la foi, comme une doctrine du salut, et sur le plan social et politique, comme l'institution qui exerce un pouvoir d'encadrement et de contrôle des populations, c'est-à-dire l'Église. Dès l'origine, le christianisme s'est pensé comme une religion universelle, en rupture sur ce point avec le judaïsme qui reposait, lui, sur l'alliance entre Yahvé et son peuple, c'est-à-dire le peuple élu. Rupture qui doit être nuancée car il existait des courants universalistes pratiquant le prosélytisme au sein du judaïsme. Et d'autre part, la traduction en grec de la Torah, c'est-à-dire du Pentateuque, à Alexandrie au IIIe siècle, a contribué à universaliser le Dieu de l'Ancien Testament. Il reste qu'on associe généralement le tournant universaliste du monothéisme à l'enseignement de Paul, fameux apôtre des gentils, qui n'a cessé d'annoncer que le message du Christ ne s'adressait pas seulement aux Juifs, mais promettait plus largement le salut à tous ceux qui étaient prêts à le recevoir. À la loi, Paul oppose la grâce. Il s'agissait de dépasser l'enracinement communautaire de la loi juive, de s'affranchir des anciennes distinctions entre Grecs et barbares, entre Juifs et gentils, entre citoyens et étrangers. C'est le sens de la fameuse phrase, si souvent citée, de l'Épître aux Galates, je cite, donc, « Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car tous, vous ne faites qu'un dans Jésus-Christ. » Le baptême, cette régénération ouverte à tous, remplace la circoncision qui était le signe de l'Alliance. Alors que les religions du monde antique étaient la plupart du temps des religions du rite, où il était essentiel d'honorer les divinités locales, celles de la cité notamment, le christianisme s'affirmait comme une religion du salut et annonçait que le Christ avait souffert pour la rédemption de toute l'humanité. L'adjectif catholique, vous le savez bien, vient du grec katholikos, qui signifie universel, et qu'utilisaient certains auteurs chrétiens des premiers siècles pour désigner l'Église universelle, catholique et ecclésia, par opposition aux sectes locales. Mais Paul n'était pas seulement un théoricien de l'universalisme. Il était aussi un patient organisateur des premières églises chrétiennes. Sa stratégie d'implantation dans l'Empire romain s'est révélée payante, du moins à moyen terme, et en dépit des persécutions et des martyrs. En effet, sur un plan historique, et non théologique, ce qui assure le succès du christianisme, c'est sa greffe sur l'Empire romain à partir de la très fameuse conversion de Constantin en 312. Les historiens ont parfois vu dans la conversion de Constantin une rupture fondamentale dans l'histoire occidentale, une véritable révolution, transformant presque du jour au lendemain une secte persécutée en religion d'État. En réalité, on insiste plutôt aujourd'hui sur le fait que la christianisation de l'Empire a été un long processus social et culturel qui avait commencé bien avant le IVe siècle, par une entreprise de longue diffusion, de pénétration par capillarité dans le tissu social de la cité, selon la formule de Marie-Françoise Bacelès.
Quoi qu'il en soit, l'essentiel est que le christianisme a apporté à l'Empire romain une sorte de recharge universaliste, tandis que l'Empire fournissait en retour à l'universalisme chrétien un cadre institutionnel puissant, d'autant que les empereurs successifs imposèrent une autonomie, une orthodoxie stricte, se chargeant de contrôler les conciles, par exemple, et de pourchasser l'hérésie. Paul Venn parlait de la redoutable machinerie unificatrice que fut le christianisme de l'Antiquité tardive. Puis, après la chute de l'Empire romain d'Occident, alors que dans l'Empire byzantin se déployait une véritable théocratie, dans le monde latin, en revanche, celui des royaumes barbares, comme on disait naguère, politiquement fragmentés, l'Église chrétienne est devenue la seule institution à vocation universaliste capable d'assurer un semblant d'unité. Dans un important article collectif du récent Dictionnaire critique de l'Église, publié au PUF, Catherine Koenig-Pralong et ses co-auteurs ont insisté sur la double dimension de cet universalisme chrétien. C'est, d'une part, un universalisme de la doctrine qui proclame sa vérité, c'est-à-dire se proclame comme vrai, et s'adresse à tous. Ce qui fait le caractère universel de cette doctrine, c'est sa prétention à être universellement vrai, et c'est donc un universalisme théorique, ou, pour parler comme les philosophes médiévaux, un universalisme intensif, qui n'est pas seulement une totalité, mais qui désigne le principe commun qui fonde cette totalité. Cet universalisme intensif, il se traduit par une conception organique et hiérarchisée de l'Église et donc de la société. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, disait Paul, cette fois aux Corinthiens. Cette conception fait que l'universalisme chrétien médiéval n'est pas seulement une doctrine religieuse, une théologie, mais bien le fondement d'une organisation sociopolitique. D'autre part, et je vais y revenir, d'autre part, parallèlement à cet universalisme intensif, celui de la doctrine vraie, de la société organique qu'elle justifie, le christianisme déploie une autre conception de l'universalisme, une conception, cette fois, extensive, qui promeut la diffusion de la doctrine chrétienne dans le monde entier. Le christianisme est universel en ce sens parce que, ou se veut universel, parce qu'il se répand absolument partout, comme l'affirme Augustin, qui en donne de multiples preuves et témoignages. Dans la théologie médiévale, cela devient progressivement un lieu commun, ce qui distingue le catholicisme de toutes les hérésies, qui sont toujours locales et particulières, c'est qu'il diffuse sur toute la surface, il se diffuse sur toute la surface de la terre. Universo orbe diffusam, selon un texte carolingien que cite donc Catherine Koenig-Pralong. Cet universalisme est au fondement, et c'est très important, c'est au fondement de la vocation prosélyte et missionnaire du christianisme, affirmée depuis Paul et qui a justifié d'abord la politique d'évangélisation des peuples barbares, puis qui trouvera une nouvelle vigueur à l'époque moderne, lorsque la découverte de nouveaux mondes lancera un défi à l'universalisme chrétien, et ce seront les missions, bien sûr. Retenons pour l'instant cette distinction entre un universalisme intensif, qui impose la cohérence idéologique à l'échelle d'une communauté de croyances, au nom d'une vérité indiscutée, ou en tout cas indiscutable, et un universalisme extensif qui cherche à s'étendre indéfiniment, à repousser les frontières de toute communauté. Vous le verrez, au cours de l'année, nous ne cesserons, sous des termes différents, de retrouver cette tension inhérente à la notion même d'universel. Il faut bien noter aussi que l'universalisme chrétien, cette idéologie structurante des sociétés médiévales, n'est pas seulement une question doctrinale qui poserait l'égalité des croyants dans l'universalité du péché et l'espérance de la foi. Il est aussi, et peut-être avant tout, le discours théorique qui justifie la puissance institutionnelle de l'Église en tant que principale pourvoyeuse de normes morales, mais aussi
sociale et politique. Cette puissance de l'Église comme cadre universel d'encadrement des fidèles se renforce de façon spectaculaire à partir de la seconde moitié du XIe siècle, avec ce que les historiens, les historiennes médiévistes appellent la réforme grégorienne, du nom du pape Grégoire VII, et dont les effets culminent au XIIe et XIIIe siècle. La théologie pontificale défend alors l'idée d'un dominium universel de l'Église. Un dominium universel qui se traduit par la primauté de la papauté sur toutes les autres formes de pouvoir politique, par la légitimité du clergé chargé d'encadrer les fidèles en vue du salut, ce que l'on peut appeler le gouvernement des âmes, mais aussi par des structures de domination étendues à l'échelle de la chrétienté. Pour ne prendre qu'un exemple, et bien par exemple, bien connu, la perception de la dîme, dont le paiement est prioritaire sur toutes les autres taxes, et que la papauté justifie et théorise comme un effet du dominium universel de l'Église. La société féodale, avec son architecture complexe de pouvoir, est en quelque sorte encastrée dans cette forme supérieure de légitimité proprement universelle parce qu'elle seule exerce la médiation avec l'au-delà et assure la cohésion de toute la société chrétienne. Alors, il existe aujourd'hui une bibliographie considérable sur toutes ces questions que je suis en train de vous résumer de manière tout à fait lapidaire. Je vous renvoie notamment, pour une synthèse récente, aux excellents articles de Michel Lauvers, de Florian Mazel et de Valérie Theis dans La nouvelle histoire du Moyen-Âge, publié en 2021 sous la direction de Florian Mazel. Ce renforcement considérable du pouvoir universel de l'Église sur l'Europe chrétienne se traduit par sa capacité de contrôle et d'exclusion de toutes les formes de déviation, définies du coup comme des hérésies et à ce titre exclues de la communauté chrétienne. On peut alors parler d'un universalisme ecclésial à condition de reconnaître que celui-ci cherche à la fois à ordonner et exclure selon la formule de Dominicioni Apra, et qu'il est indissociable d'un prosélytisme évangélisateur souvent intolérant. C'est un point sur lequel a insisté par exemple Jérôme Bachet, qui montre que cette ambivalence de l'universalisme chrétien entre désir d'expansion et refus de la diversité est à l'origine de la conquête de l'Amérique. Dans cette perspective, Christophe Colomb n'est plus le héros de la Renaissance, mais devient l'héritier du Moyen-Âge, parti convertir le Grand Rane. Alors, on aurait tort, cependant, je crois, de réduire l'universalisme médiéval à la seule domination ecclésiale et à la prépondérance de la papauté. Même si c'est sans doute le fait majeur de l'universalisme médiéval. De façon moins apparente, sans doute, l'héritage impérial romain reste néanmoins extrêmement puissant. Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière, dans le temps, avant la christianisation de l'Empire. Car, bien sûr, avant d'être le siège de la papauté, Rome a incarné une autre forme d'universalisme qui a joué un rôle durable, puissant, dans l'imaginaire occidental. En 212, un siècle donc avant la conversion de Constantin, l'empereur Caracalla avait décidé d'étendre la citoyenneté à l'ensemble des hommes libres de l'Empire, ce qui pouvait apparaître comme une rupture profonde dans un monde jusque-là défini par le pluralisme juridique et politique. Dans son livre « La raison de Rome », Claudia Moatti a réfléchi à la spécificité de ce qu'elle appelle l'universalisme romain, qu'elle fait remonter à la fin de la République. Les Romains n'envisageaient pas les origines de leur cité en termes d'autochtonie, donc d'ethnicité et de pureté, à la différence, par exemple, des Athéniens. Bien au contraire, ils se pensaient eux-mêmes comme un peuple récent,
Pensez, par exemple, que tous leurs récits, tous leurs grands mythes de fondation sont fondés sur la migration et le mélange. Romulus et Romulus, Rémus et Romulus, bien sûr, mais aussi, par exemple, l'enlèvement des Sabines. Par conséquent, les Romains pouvaient facilement intégrer les nouveaux peuples conquis car leur impérialisme était fondé sur l'indifférence à la question ethnique. Pour Cicéron, un Romain d'origine italienne avait deux patries, d'origine italienne, c'est-à-dire non romaine, parce qu'on est au 1er siècle. Deux patries, une patrie de nature et une patrie de citoyenneté. D'un côté, donc, l'ancrage dans un lieu, dans des spécificités culturelles, dans une histoire. De l'autre, l'espace du droit, celui de la citoyenneté. Rome n'était plus seulement une ville concrète au bord du Tibre, mais le nom d'une extension juridique et politique qui recouvrait, sans l'effacer, la diversité historique du monde. C'est là le point essentiel. Les cultes locaux étaient maintenus, le grec restait la langue officielle dans tout l'Orient, même l'organisation administrative, après la conquête, était très souvent inchangée. La citoyenneté romaine était ainsi un pur statut juridique, et c'est cette capacité d'abstraction qui lui donnait son universalité. Si bien que l'édit de Caracalla, connu aussi comme la Constitution antonienne, apparaît, en tout cas pour Claudia Moatti, comme le couronnement d'une pratique d'intégration fondée sur une conception cosmopolite de l'humanité, elle-même héritée du stoïcisme hellénistique, mais profondément transformée, notamment dans les milieux de la fin de la République, par sa politisation. Je cite Claudia Moatti, « Pour la première fois est donc pensé un universalisme politique bien différent du cosmopolitisme stoïcien. Il ne s'agit pas en effet d'un simple appel à la vertu, entendu comme participation à la nature, fusion avec le cosmos, mais de la définition d'une éthique universelle, fondée sur la sociabilité et la rationalité humaine. » Fin de la citation. Claudia Moatti y voit même, très explicitement, une annonce du cosmopolitisme rationaliste des Lumières, celui de Kant. Nous y reviendrons. Alors, c'est toutefois une vision qui peut paraître, qui est à la fois passionnante et qui peut paraître un peu idéalisée. Les spécialistes du droit romain rappellent que celui-ci est d'abord un droit privé, formaliste, qui possède une très grande efficacité pour gérer les rapports familiaux, économiques et sociaux, mais ne produit pas une véritable égalité politique. Il n'est pas pensé comme un ensemble de droits subjectifs appartenant aux individus, il correspond à des statuts sociaux et à des liens interpersonnels. Pour cette raison, il ne faut pas surestimer le rôle du droit naturel tel qu'on le trouve notamment exprimé chez Cicéron. Comme l'a noté par exemple Aldo Schiavone, ce cosmopolitisme rationaliste est un discours philosophique, presque un lieu commun rhétorique, sans efficacité juridique réelle, si bien que l'élargissement de la citoyenneté n'implique pas l'égalité des droits politiques, a fortiori sous l'Empire, qui est un régime autocratique. C'est ce qui explique, par exemple, que l'esclavage échappe totalement à cet horizon universaliste romain et reste largement non questionné sous l'Empire. Quant à la constitution antonienne elle-même, donc l'édit de Caracalla de 212, il faut se rappeler qu'au regard des conditions matérielles et techniques de communication, la taille atteinte par l'Empire romain au début du IIIe siècle rendait de toute façon absolument impossible une administration directe, les régions conquises par Rome se voyant accorder une très large autonomie. Si bien que le changement qu'introduit la constitution antonienne, loin d'être l'aboutissement d'une conception cosmopolite de l'Empire, pourrait au contraire être une figure plus classique de la domination impériale, Caracalla ayant en réalité octroyé la citoyenneté à des populations entières sans se soucier de leur consentement. Clifford Ando, l'historien américain spécialiste des rapports entre le pouvoir impérial et les provinces, invite à ne pas faire une lecture anachronique
de l'édit de Caracalla, qui projetterait sur l'Antiquité notre conception moderne de la citoyenneté comme accession à l'égalité politique. Il faut au minimum, dit-il, reconnaître que cette universalisation de la citoyenneté, il utilise le terme, était prise dans une contradiction entre, d'une part, le langage républicain et contractualiste, qui apparaissait de plus en plus comme une fiction, et, d'autre part, la nouvelle réalité impériale de la domination exercée par Rome sur les territoires conquis. Claudia Moatti, elle-même, constate, dans un livre ultérieur, Res Publica, que sous l'Empire, à partir du IIIe siècle, s'est mise en place une volonté d'unification culturelle et surtout cultuelle. En effet, l'édit de Caracalla ne se contentait pas d'octroyer la citoyenneté, il demandait aux nouveaux citoyens de sacrifier au culte des dieux de Rome. Il redéfinissait donc la romanité dans un sens de moins en moins cosmopolite, mais qui visait au contraire à assurer l'unification culturelle par l'adhésion à des mœurs et à des pratiques communes. Alors, vous voyez, on est au cœur de l'ambivalence, de l'impérialisme entre extension cosmopolite et hégémonie. Et cette ambivalence, elle est importante à relever, en particulier parce que l'édit de Caracalla va devenir, dans les siècles suivants, un véritable mythe de l'universalisme politique. L'historiographie chrétienne, au Moyen Âge, y a vu un acte providentiel qui préparait et annonçait la conversion au christianisme. Puis, tout au long de l'époque moderne, il a été mobilisé, de façon d'ailleurs souvent contradictoire, depuis les théoriciens de l'Empire espagnol jusqu'aux juristes napoléoniens. C'est un mythe qui a eu la vie tellement longue qu'on la retrouve, on le retrouve en 1946, au moment de la mise en place d'un modèle impérial français de type nouveau, après la Seconde Guerre mondiale, accordant la citoyenneté aux habitants des colonies. La référence à l'édit de Caracalla est alors brandie, comme le signalent Jane Burbank et Frederick Cooper, dans leur histoire de la notion d'empire. À la différence de l'État-nation, où la citoyenneté implique une égalité des droits politiques et une nation homogène, le modèle impérial propose, disent-ils, un modèle de gestion diversifiée des droits et de respect des particularismes. Paradoxalement, et j'invite à réfléchir à ce paradoxe, l'empire serait la forme politique permettant de conjuguer universalisme et particularisme, intégration maximale à un pouvoir commun et reconnaissance de la diversité ethnique et culturelle. Alors, avant que je me lance dans un plaidoyer pour l'empire qui ferait quand même curieux, revenons maintenant au Moyen Âge. L'imaginaire impérial, comme modèle politique et comme force universalisante, ne disparaît pas. Charlemagne, évidemment, le réactive lors de son sacre à Rome en 800, associant la légitimité des conquêtes militaires et la sacralité assurée par la papauté en la personne de Léon III. Une seconde restauration impériale a lieu en 962 avec le couronnement d'Othon Ier qui cherche à son tour à redonner corps au mythe impérial et fonde ce que l'on appellera un peu plus tard le Saint-Empire romain, qui n'a plus vraiment de prétention universaliste sur le plan territorial, puisqu'il est limité à l'Allemagne et en partie à l'Italie, même s'il continue de se revendiquer de l'exemple romain. Alors vous connaissez peut-être la plaisanterie de Voltaire qui disait que le Saint-Empire romain était nullement saint, qu'il n'avait rien de romain et qu'il n'était même pas un empire. Ce qui en dit long, soit dit au passage, sur l'incapacité du XVIIIe siècle à se figurer ce qu'avait pu être, ce qu'avait pu signifier le rêve millénaire d'un empire chrétien unifiant et pacifiant l'Europe. Parallèlement, l'universalisme pluraliste associé à l'imaginaire impérial depuis l'époque romaine pouvait servir à gérer des situations de coexistence religieuse aux marges de la chrétienté latine.
En Sicile, par exemple. En Sicile, les rois normands de la dynastie des Hauteville, après la conquête de l'île à la fin du XIe siècle, durent imposer la domination d'une minorité chrétienne sur une population qui restait très largement, très majoritairement musulmane, avec aussi des populations juives et grecques orthodoxes. Alors, les historiens et les historiennes aujourd'hui ne croient plus au mythe de la tolérance qui aurait régné alors dans la péninsule. En revanche, Anne-Lise Neff a montré que ces rois normands avaient réussi à imposer une conception impériale du pouvoir inspirée de Byzance et du califat fatimide. Ainsi, et c'est un point important, qu'une pratique qu'elle nomme œcuménique de la diversité religieuse, qui se concrétise par exemple à travers des programmes artistiques et architecturaux dont témoigne la présence de motifs islamiques dans la décoration des églises siciliennes et dans la chapelle palatine de Palerme. Enfin, à l'échelle de l'Europe latine, si les XIIe et XIIIe siècles sont marqués par un affaiblissement progressif des prétentions des empereurs face à la papauté, l'imaginaire impérial ne disparaît pas. Il est même revitalisé par de nouvelles considérations philosophiques. Ainsi, lorsque Dante rédige vers 1313-1314 son traité de la monarchie pour défendre les droits de l'empereur Henri VII, il défend l'idée que l'empereur ne tient pas son pouvoir de Dieu, il défend l'idée évidemment que l'empereur ne tient son pouvoir que de Dieu, non du pape, et que lui seul, l'Empire, que seul l'Empire peut imposer une paix universelle nécessaire au développement des facultés intellectuelle et culturelle de l'esprit humain, celle-ci, ces facultés intellectuelles et culturelles, étant, dit Dante, la finalité universelle du genre humain. Ce renouvellement de la théorie impériale est sans conséquence immédiate, d'autant qu'Henri VII est mort près de Sienne en août 1313, mais elle n'est pas sans lendemain. Elle témoigne en effet d'un renouvellement du thème impérial, celui d'une monarchie universelle, soutenue par une argumentation philosophique nourrie d'Aristote, mais aussi d'Averroès, à qui Dante fait ouvertement référence au chapitre 3 du livre 1 et auquel il emprunte la notion d'intellect unique commun à toute l'humanité. Dante prend ainsi ses distances par rapport aux théories ecclésiales. Il fonde la monarchie universelle non sur le salut, qui relève de l'Église, mais sur l'idée d'une communauté universelle soutenue par des liens naturels aussi bien qu'intellectuels et éducatifs. C'est une citation de Ernst Kantorowicz, hein, une communauté universelle soutenue par des liens naturels aussi bien qu'intellectuels et éducatifs. Citation de Kantorowicz dans son grand livre sur la théologie politique médiévale, Les deux corps du roi. L'universalisme est donc aussi une question philosophique. Et il aurait fallu, pour bien faire, évoquer la façon dont la philosophie médiévale, notamment à partir de la redécouverte d'Aristote et du rationalisme grec, a pu contribuer à une réflexion sur l'universel à travers la construction complexe d'une architecture des savoirs sous l'égide de la théologie et grâce au mode de raisonnement proprement rationaliste, ce qu'on a appelé, au fond, la scolastique. Il n'est pas anodin, d'ailleurs, qu'une des grandes querelles philosophiques qui ont animé la philosophie médiévale ait justement porté sur les universaux, c'est-à-dire la nature et le statut des concepts généraux, ceux qui renvoient à des propriétés partagées par des objets et des individus singuliers, particuliers, ce qui permet, par exemple, prendre l'exemple de dire de parler de l'homme en général et non des hommes, des femmes singulières et particulières. Alors, je ne rentre pas dans cette grande question de la querelle des universaux, à la fois par manque de temps et surtout par faute de compétences, je me permets de vous renvoyer plutôt au grand livre, hein, technique,
c'est passionnant, d'Alain de Libera, La querelle des universaux, ainsi d'ailleurs qu'à ses autres travaux sur la philosophie médiévale, notamment pensée au Moyen-Âge. Je signale tout de même deux choses. Premièrement, s'il ne faut pas confondre cette querelle métaphysique ou ontologique des universaux avec le problème moral et politique de l'universalisme, l'une et l'autre ne sont pas sans rapport, notamment à travers la question de la doctrine juridique des communautés. Le terme « universitas », en effet, désigne aussi bien une communauté d'habitants qu'une cité ou une corporation. Et, bien sûr, c'est de là que vient notre université, mais qui n'est à l'origine qu'une forme particulière de corporation. Or, nous verrons ressurgir ce terme d'universitas dans un sens proprement politique quand nous parlerons des théories modernes de la souveraineté nationale un peu plus tard dans l'année. Simplement ici, je me contente de poser un jalon, nous y reviendrons. Deuxièmement, deuxième remarque, la philosophie médiévale a aussi entretenu un idéal de la vie intellectuelle, du désir de savoir orienté vers la recherche de la vérité, qui s'est d'abord incarné dans le milieu des universités au XIIIe siècle, puis qui s'est répandu en dehors des institutions d'enseignement et au sein de certains milieux laïcs, ce dont témoigne justement Dante. C'est une dynamique qui conduira, bien plus tard, à faire des philosophes des Lumières, puis des intellectuels du XXe siècle, des professionnels de l'universel, disent-ils, des travailleurs dont la raison d'être est de produire, pour le meilleur ou pour le pire, des énoncés à vocation universelle. En cela, qu'ils le veuillent ou non, ils sont bien les héritiers des clercs médiévaux. À ceci près, il faut ajouter que leur légitimité dans un espace laïque et démocratique est toujours contestée. Ils ne peuvent pas prétendre au monopole de la vérité, à moins de verser dans ce que Pierre Bourdieu appelait l'impérialisme de l'universel, et qu'il associait à une pathologie de la modernité, conduisant, disait-il, à un obscurantisme des Lumières. Comprenons une mainmise abusive des clercs sur l'accès à l'universel, c'est-à-dire, pour Bourdieu, ce qu'il appelait justement une erreur proprement scolastique. Alors, ce que j'appelle l'universalisme médiéval, de façon éminemment simplificatrice, je le reconnais, est donc fondé sur plusieurs piliers. Le christianisme comme religion du salut, l'Église comme institution socio-politique d'encadrement des fidèles, revêtue du dominium universel, la philosophie appuyée sur le rationalisme grec et, enfin, la persistance d'un idéal impérial hérité de Rome en rivalité avec d'autres modèles impériaux, Byzance en premier lieu. Alors, est-ce que tout cela constitue un universalisme médiéval? On est en droit d'en douter et mes collègues médiévistes me reprocheront certainement d'en avoir donné une vision trop peu nuancée. Ce sont plutôt, je dirais, les morceaux d'un puzzle dont l'image n'est cohérente que si on le regarde à distance, disons depuis le XVIIIe siècle. Il reste que ces éléments vont être progressivement remis en cause dans les derniers siècles du Moyen-Âge avant d'être considérés comme obsolètes au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, ou du moins de voir leurs prétentions universalistes profondément contestées. C'est ce mouvement qu'il nous faut maintenant comprendre. Alors, le premier élément qui vient perturber le rôle universaliste de l'Église et de la papauté est la montée en puissance des États monarchiques. C'est là aussi quelque chose qui est assez connu, qui s'efforce de capter à leur profit l'idéal de la souveraineté et la sacralité du pouvoir. Le cas français est particulièrement significatif. Dès le début du XIIIe siècle, et plus encore à la fin du Moyen-Âge, les juristes royaux ont produit une justification idéologique de la légitimité des rois de France. Ils l'ont fait en s'opposant à la papauté et à l'Empire. Ces deux puissances qui continuaient à entretenir l'idéal antique de monarchie universelle, pour citer Jacques Crinen, qui va jusqu'à parler,
de lutte anti-impérialiste et anti-universaliste de la part des théoriciens de la doctrine absolutiste. Pour cela, les juristes de Saint-Louis et de Philippe le Bel récupèrent, au profit des rois capétiens, deux éléments de légitimité de la puissance souveraine. D'une part, la figure impériale, avec l'argument sans cesse répété du roi empereur en son royaume, mais aussi la sacralité divine, avec l'argument du roi très chrétien. Avec ce paradoxe, à terme, que cette construction idéologique aboutira à reconstruire un horizon universaliste, ou du moins impérial, à l'échelle de l'État monarchique, mais avec des implications bien différentes. À la suite de ces premières élaborations, les discours de la souveraineté royale vont se multiplier, depuis les miroirs des princes de la fin du Moyen-Âge jusqu'aux théories de la raison d'État de l'époque moderne. C'est une histoire qui a été mille fois racontée, donc je ne m'y arrête pas. Je voudrais, en revanche, insister sur la critique du langage universaliste qui était attaché, nous l'avons vu, à l'idée impériale. Alors, on pourrait, dans un premier temps, penser que la poussée étatique lui redonne vie. De fait, on le retrouve en force au XVIe siècle, au bénéfice de Charles Quint, qui réactive l'ambition d'une monarchie universelle après son couronnement impérial à Aix-la-Chapelle en 1520. Grâce à ses multiples héritages territoriaux, à ses victoires militaires en Italie, aux conquêtes espagnoles en Amérique, Charles Quint régnait, vous le savez, sur un empire composite, mais considérable, le fameux empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, ce qui est après tout une définition possible de l'empire universel. Son principal conseiller, le chancelier Mercurino Gattinara, revivifia l'idéal impérial destiné, avec autour de la notion de monarchie universelle, destiné à unifier politiquement la chrétienté, dans un mélange de réalisme politique et d'utopie millénariste. Dans Gattinara, qui était italien, et qui n'hésitait pas d'ailleurs à citer Dante, fut sans doute le dernier promoteur de cet idéal d'une domination politique universelle à vocation chrétienne et providentialiste. En effet, lorsque le thème de la monarchie universelle ressurgit en force dans le discours politique européen à la fin du XVIIe siècle, c'est de façon essentiellement critique pour le dénoncer, non plus comme un projet utopique, mais au contraire comme une menace. Et c'est notamment autour des ambitions territoriales et militaires de Louis XIV que la propagande hostile à la France, notamment les controversistes protestants après la guerre de Hollande et après la révocation de l'édit de Nantes, vont utiliser la dénonciation de plus en plus satirique de l'ambition de Louis XIV de ressusciter une monarchie universelle. Comme l'a montré Pierre Bonnet dans un article, la dénonciation se moque des ambitions tyranniques de Louis XIV et de ses échecs. Là aussi, la monarchie universelle, après avoir fait peur, commence à faire rire. Puis, au début du XVIIIe siècle, Montesquieu lui porte le coup de grâce. Dans un texte qu'il rédige en 1734, mais qu'il ne publie pas, ou plus exactement si, en fait, il le publie suite aux considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romaines, dont il fait détruire tout, enfin, cette édition-là, il en fait détruire tous les exemplaires sauf un, parce que était annexé ce texte, réflexion sur la monarchie universelle en Europe, et qu'il craignait la censure. Mais il va en réutiliser tous les passages les plus importants dans l'esprit des lois, 14 ans plus tard, donnant ainsi une large diffusion à sa critique de la monarchie universelle. Il faut s'y arrêter. Montesquieu pose d'emblée la question suivante. Je crois que c'est écrit en trop petit, vous n'arrivez pas à lire. Mais je vais vous lire, il pose la question, le texte commence ainsi. « C'est une question que l'on peut faire. » Si dans l'état où est actuellement l'Europe, il peut arriver qu'un peuple y ait, comme les Romains, une supériorité constante sur les autres. Sa réponse est sans appel, je crois qu'une pareille chose est devenue moralement impossible. Le terme important ici est moralement. La monarchie absolue n'a plus aucune légitimité, elle est devenue un concept anachronique.
Il est vrai, dit Montesquieu, que l'Europe a parfois été menacée par des tentatives de domination générale. Il fut un temps, écrit-il, où il n'aurait pas été impossible aux papes de devenir les seuls monarques de l'Europe. Plus tard, ce fut sous Charles Quint que, dit-il, l'univers s'étendit et que l'on vit paraître un monde nouveau sous son obéissance. Mais toutes ces tentatives ont échoué et elles ne peuvent plus, dit Montesquieu, reparaître. L'Europe, estime-t-il, n'est pas faite pour les empires, à la différence de l'Asie, notamment pour des raisons géographiques. Mais l'argument essentiel est ailleurs, la thèse principale que défend Montesquieu, c'est que l'esprit de commerce qui règne désormais en Europe a totalement supplanté l'esprit de conquête. La puissance a changé de nature. Elle n'est plus territoriale et militaire, mais économique. Je cite Montesquieu, « Aujourd'hui que les peuples tous policés sont pour ainsi dire les membres d'une grande république, ce sont les richesses qui font la puissance. » Or, cette nouvelle puissance fondée sur le commerce, estime Montesquieu, est nécessairement pacifique. Elle entraîne l'existence d'États stables fondés sur des lois plutôt que des États despotiques en guerre les uns contre les autres. Pour Montesquieu, qui rejoint en cela la plupart des historiens et philosophes du XVIIIe siècle, par exemple David Hume, l'Europe moderne, née de l'échec de la monarchie universelle de Charles Quint et des progrès du commerce, est fondée sur un système d'équilibre entre des États policés qui ont besoin de la paix pour protéger leur nouvelle source de puissance, le commerce, et tout particulièrement le commerce maritime. L'Europe, écrit encore Montesquieu, fait aujourd'hui tout le commerce et la navigation de l'univers, ce qui lui garantit la paix intérieure, non par l'autorité despotique d'un conquérant, mais par l'intérêt bien compris des différents souverains. Alors, on s'est souvent moqué de cette idée que le commerce entraînait forcément la paix, ce fameux « doux commerce » qui amusait beaucoup Karl Marx et qui nous semble aujourd'hui une assez mauvaise plaisanterie. Mais Montesquieu, bien sûr, était loin d'être naïf. Il voyait bien que le commerce colonial suscitait déjà de profondes rivalités et de nouvelles formes de domination impériale, mais cette fois vers l'extérieur de l'Europe, à l'échelle coloniale, c'est-à-dire globale. Comme l'écrit Céline Spector, il n'a pu rester aveugle à la montée en puissance de l'Angleterre comme puissance conquérante et à sa rivalité croissante avec la France. Mais il reste qu'en évoquant la façon dont l'Europe avait désormais pris le contrôle du commerce de l'univers, Montesquieu a parfaitement diagnostiqué l'émergence d'un nouvel universalisme. À côté de la puissance militaire et de la domination politique, un universalisme du commerce et de la marchandise dont nous connaissons parfaitement les effets. Il avait seulement tort de penser ou d'espérer qu'un universel devait nécessairement chasser l'autre. Quoi qu'il en soit, sur le plan des équilibres de la puissance, l'idéal impérial était rangé au rayon des vieilleries. L'Europe, cette république d'États policés, intéressée avant tout à accroître leur richesse par le commerce, devait inventer d'autres figures de l'universalisme politique plus adaptées à la nouvelle situation. La deuxième forme qu'a pris la crise de l'universalisme médiéval était plus profonde encore, puisqu'elle touchait au cœur même de l'universalité chrétienne. C'est bien sûr la réforme qui est venue briser l'unité théologique et ecclésiale de la chrétienté. C'est là encore un sujet à la fois trop connu et bien trop vaste pour que je m'y arrête aujourd'hui. Je voudrais simplement rappeler qu'au-delà des affrontements violents qui ont mis à mal l'idéal d'une unité de l'Europe chrétienne, donc les guerres de religion, la réforme a encouragé le développement d'une foi intériorisée et d'un rapport direct au texte sacré qui annonce à bien des égards la nécessité d'une refonte de l'universalisme moral. Et comme nous le verrons en janvier, ce sont les milieux protestants, à la fin du XVIIe siècle, qui ont préparé la voie à une pensée sécularisée de la tolérance et du cosmopolitisme qui aboutira chez Kant. Par ailleurs, la réforme ébranle le monopole du latin comme langue sacrée en favorisant les traductions de la Bible en langue vulgaire. À ce titre, à
La traduction de la Bible par Luther, en 1522, est une brèche importante dans le dispositif linguistique sur lequel reposait l'universalisme chrétien médiéval. Et c'est justement sur le destin du latin à l'époque moderne que je voudrais m'arrêter un instant. Au Moyen-Âge, le latin était à la fois la langue de l'Église, la langue des élites lettrées et la langue du pouvoir. Il était donc la langue référentielle par excellence, pour reprendre une expression de Benoît Grévin. À première vue, l'humanisme de la Renaissance va encore renforcer cette importance du latin. Prenons l'exemple d'un des grands humanistes du XVe siècle, Lorenzo Valla, qui fut un artisan du renouveau du latin classique contre le latin médiéval. On lui doit l'expression « latin de cuisine » avec laquelle il critiquait ses adversaires. Il était un grand admirateur de Cicéron, bien sûr, comme la plupart des humanistes, plus encore de Quintilien, qui était son modèle. Aujourd'hui, Lorenzo Valla est surtout connu pour avoir réfuté l'authenticité de la fameuse donation de Constantin, selon laquelle l'empereur aurait légué de nombreux territoires et privilèges au pape Sylvestre, un texte sur lequel la papauté fondait la légitimité de ses prétentions universalistes. En 1440, Lorenzo Valla, qui était alors au service du roi de Naples, lui-même en conflit avec le pape, pour vous rappeler que tous ces discours pour et contre l'universalisme sont toujours des discours pris dans des relations de pouvoir, Lorenzo Valla écrivit un libelle brillant qui tenait à la fois de la critique historique et de la polémique politique, dans laquelle il démontrait que la donation était un faux. C'était un faux. Pour Valla, l'héritage de l'Empire romain, et c'est le point sur lequel je voudrais insister, ne résidait pas dans le pouvoir souverain de la papauté, mais dans la puissance de la langue latine, qu'il s'agissait de préserver et surtout de restaurer. À peine quelques années plus tard, dans ses élégances de la langue latine, il écrivait, c'est la citation que vous avez ici, « Nous avons perdu Rome », nous avons perdu la domination et le pouvoir politique, quoique plus par la faute des temps que par la nôtre, et pourtant, en vertu de ce pouvoir plus splendide, donc le latin, nous régnons encore sur une grande partie du monde. Nôtre est l'Italie, nôtre est l'Espagne, ainsi que l'Allemagne, la Pannonie, la Dalmatie, l'Illyrie et bien d'autres nations. De fait, l'Empire romain est là où règne la langue de Rome. La langue latine était ainsi le signe du pouvoir, de l'empire, d'une unité historique et culturelle. Mais alors, il faut constater deux choses. Premièrement, l'unité n'est pas directement politique, mais culturelle. Peu importe alors que l'héritage de l'Empire romain soit politiquement éclaté. Valla accompagne le transfert de souveraineté et même de sacralité qui s'est effectué depuis l'Ecclésia chrétienne vers les nouvelles communautés que sont les communes, les principautés et les royaumes. D'autre part, cette énumération de provinces, vous l'avez peut-être remarqué, n'est pas tout à fait universelle. Elle délimite une grande partie du monde, ce qui est une reconnaissance du fait que l'extension du latin n'est pas illimitée, que le monde latin est confronté à un extérieur. Dans sa leçon inaugurale qu'il prononce à l'Université de Rome en 1455, Valla fait à nouveau l'éloge de la langue latine et de son rôle incomparable pour permettre la circulation des savoirs, des arts et des idées. Mais il insiste aussi sur le fait que, depuis la chute de l'Empire romain, les provinces asiatiques et africaines ont sombré dans la barbarie. Carlo Ginzburg, qui a attiré l'attention sur ce texte, remarque que c'est une des premières fois que l'Europe est présentée comme une entité culturelle et non géographique. Autrement dit, l'héritage romain ne tient plus à l'alliance politico-religieuse qui avait fondé l'universalisme médiéval chrétien, mais il est un héritage culturel fondé sur la latinité qui dessine le destin singulier d'un continent, l'Europe, dont le rôle pourrait à nouveau être providentiel. Selon Ginzburg, la leçon de Valla, et je le cite, sonne aujourd'hui comme l'annonce prophétique d'une expansion européenne qui était en effet imminente. Nous sommes, je vous le rappelle, en 1455. Il faut alors relever deux points. D'une part, l'affirmation d'un retour
au latin classique, celui de l'Empire de la République ou de l'Empire romain, se traduit par une conception historiciste de la langue. Si le latin s'est corrompu tout au long du Moyen Âge, comme le pense Valla, c'est que la langue évolue, elle perd donc son caractère universel, elle est une langue comme une autre, corruptible, qui a ses beautés mais aussi ses défauts. D'autre part, cette réaffirmation du latin classique comme grande langue du culture correspond à l'essor des langues vernaculaires comme langue littéraire et langue du pouvoir, en Italie bien sûr, mais aussi dans toute l'Europe, et c'est le point sur lequel, c'est le point justement sur lequel Valla fait silence. Alors, et c'est un point absolument essentiel, cette montée en puissance des langues vernaculaires. Prenons le cas du français. La célèbre, peut-être trop célèbre ordonnance de Villers-Cotterêts, en 1539, sous François Ier, interdit le latin dans les actes officiels et les procédures judiciaires. La monarchie prend acte d'un mouvement de francisation des actes de chancellerie qui avait commencé dès le XIIIe siècle et s'était accéléré au XVe siècle, y compris dans la France méridionale. Contrairement à ce qu'on a longtemps prétendu, il ne s'agissait pas, avec cette ordonnance, d'imposer le français au détriment des langues régionales, mais bien de capter, au bénéfice de la langue royale, le prestige du latin. D'où l'attention accordée au même moment au mécénat littéraire et à la promotion de la langue française comme langue de haute culture. En 1549, Joachim du Bellay publie sa « Défense et illustration de la langue française ». Comme l'a rappelé Patrick Boucheron, dans un livre dont vous avez peut-être entendu parler, « L'histoire mondiale de la France », l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne visait pas donc un projet d'unification linguistique nationale, pour cela il faudra attendre la Révolution, et donc nous en reparlerons en février, c'était plutôt un projet proprement impérial, un projet de puissance politique dans un contexte de rivalité impériale avec Charles Quint. Tous les humanistes français ont massivement contribué à cette ambition, celle d'une diffusion du français hors de France, au service des ambitions politiques de la monarchie, notamment en Italie, comme l'a montré Paul Cohen. Un écrivain poitevin de la fin du XVIe siècle, Guillaume Boucher, grand admirateur de Montaigne, écrit ainsi quelques années plus tard, dans les années 1580, je cite, « Je souhaite que dans peu de temps, toute nation du monde eût besoin d'apprendre à parler notre langage français, les langues se multipliant et renforçant à mesure que les princes qui en usent s'agrandissent. » Il s'agit bien de faire du français à la fois une langue de pouvoir et une langue de culture. Il faut admettre, écrit Patrick Boucheron, que la langue française porte en elle l'ambition impériale de l'universalisme. Pour autant, le latin, bien sûr, n'est pas abandonné, il est relégitimé par le travail des humanistes, mais il n'est plus la langue du pouvoir. Il est désormais une langue savante, celle de la République des lettres, et une langue scolaire, celle des collèges. Et même ce bastion, ce dernier bastion, va céder à son tour, au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, lorsque le latin va cesser d'être la langue de communication des savants, la langue de la République des sciences et des lettres. Et en effet, toutes les grandes œuvres de la philosophie des Lumières, vous le savez, sont écrites dans des langues vernaculaires. La place du latin dans l'enseignement est dès lors dénoncée au XVIIIe siècle comme un anachronisme, une déplorable persistance médiévale. Parmi les plus féroces adversaires du latin, on ne peut pas résister à la tentation de citer Benjamin Rush, médecin américain, signataire de la Déclaration d'indépendance de 1776, un des plus méconnus des pères fondateurs, un ami proche de Jefferson et de John Adams. Et il écrivait à ce dernier, à Adams, dans une lettre de 1810, que le latin était contraire au progrès de la morale, du savoir et de la religion aux États-Unis. Et il concluait, ironiquement, vous le voyez, « Delenda, delenda est lingua romana, should be the voice of reason, liberty and humanity in every part of the world. » Vous voyez, la culture scolaire latine, avec ses citations obligées, était retournée contre la prétention universaliste du latin. Une des conséquences profondes de cette crise, à la fois pratique et idéologique, du latin, était de détruire un des éléments qui fondait l'idée
d'une culture commune européenne. Comme l'écrit Françoise Vaquet, à partir du XVIIIe siècle et tout au long des XIXe et XXe siècles, le latin incarnera pour les élites européennes, je la cite, une nostalgie de l'universel, le regret d'une époque marquée par une culture et une langue communes qui semblaient s'étendre jusqu'aux limites du monde civilisé. Au même moment, cet idéal d'universalité commençait à être transféré, nous l'avons vu, sur les langues nationales, notamment le français, présenté à la fois comme une langue de communication internationale et comme une langue idéalement rationnelle. Nous y reviendrons là encore. J'ai fait le choix d'insister sur la crise du latin, mais j'aurais pu tout aussi bien mettre en valeur d'autres éléments, par exemple le profond discrédit dans lequel entre alors la philosophie médiévale et notamment la scolastique. Le cartésianisme et la révolution scientifique avaient déjà porté un coup sévère à l'aristotélisme médiéval. Avec les Lumières, la scolastique devient un repoussoir absolu, la figure même de la dépravation intellectuelle. Alors bien sûr, la critique avait commencé plus tôt, dès le XIVe siècle, chez Pétrarque par exemple, mais elle était alors fondée sur une contestation de la philosophie universitaire et théologique au nom du désir de savoir des laïcs. Au XVIIIe siècle, la critique se fait beaucoup plus radicale, c'est toute la philosophie médiévale qui est dénoncée comme une dégradation de la pensée et même comme un danger moral. Et voyez, pour finir, cette citation, on ne va pas toute la lire en entier, mais cet article que l'encyclopédie consacre à la philosophie scolastique et qui s'achève, c'est juste la conclusion, qui s'achève par une longue et impitoyable diatribe. Il suit de ce qui précède que cette méthode détestable d'enseigner et d'étudier infecta toutes les sciences et toutes les contrées, qu'elle donna naissance à une infinité d'opinions ou puériles ou dangereuses, qu'elle dégrada la philosophie, qu'elle ébranla les principes de la morale, etc. etc. Leur métaphysique n'était qu'un galimatias inintelligible. Et encore, ce ne sont là que quelques extraits d'une charge beaucoup plus longue. La scolastique qui avait scellé l'alliance de l'universalisme logique venu de la philosophie grecque et de l'universalisme théologique chrétien était désormais dégradée au niveau, je cite, d'une sophisticaillerie puérile, d'un jeu vain et inutile de controverses absconses. Si le texte se fait si violent, c'est bien que l'aristotélisme médiéval subsiste encore dans certains lieux, c'est-à-dire notamment dans l'enseignement des collèges, et à la faculté de théologie. Il s'agissait donc de l'abattre définitivement. C'est la chute. Qui croirait aujourd'hui même qu'on n'en est pas encore guéri ? Qu'est-ce que la théologie qu'on dicte sur les bancs ? Qu'est-ce que la philosophie qu'on apprend dans les collèges ? La morale, cette partie à laquelle tous les philosophes anciens se sont principalement adonnés, y est absolument oubliée. Demandez à un jeune homme qui a fait son cours ce qu'est la matière subtile, il vous répondra. Mais ne lui demandez pas ce qu'est la vertu, il n'en sait rien. Alors je ne commande pas davantage. Vous voyez que l'article se termine par un plaidoyer pour la morale et la vertu, ce qui ne vous surprend pas, puisque l'auteur, vous l'avez deviné, est Denis Diderot. Et nous voici ramenés à la question de départ, comment refonder une théorie de la vertu sur les ruines de la théologie, de l'universalisme médiéval et de la scolastique. Alors il y a un point que je n'ai pas eu le temps d'évoquer aujourd'hui, je voudrais simplement le mentionner, nous y reviendrons dans d'autres séances, j'aurais voulu en parler, c'est le choc proprement anthropologique lié à la découverte du Nouveau Monde qui pose un défi redoutable à l'universalisme chrétien en révélant une autre branche de l'humanité restée à l'écart de la révélation chrétienne et qui soulevait donc un problème anthropologique. S'agit-il ou non d'une autre humanité, un problème théologique, avait-on le droit de les convertir pour assurer leur salut, et un problème politique, celui du type de domination qui devait s'exercer sur les Amérindiens. Question qui a en réalité bouleversé la pensée européenne, pensée à la controverse de Valladolid, pensée aussi à ce qu'écrit Montaigne, chacun après avoir rencontré les Indiens Tupinambas et après avoir lu attentivement le voyage en terre du Brésil de Jean de Léry, chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Là encore, Diderot se souviendra de la leçon. Au début du XVIIIe siècle, à l'aube des Lumières,
toutes les figures de l'universel dont était porteuse la chrétienté médiévale et qui étaient articulées à la puissance instituée et spirituelle de l'Église ont en quelque sorte volé en éclats. Les philosophes des Lumières vont donc s'atteler à une tâche, penser des normes universelles fondées non plus sur l'évidence d'une loi commune et du salut, mais sur le fondement de l'autonomie morale des individus. Ce n'est pas une mince affaire. Pour nous y préparer, il nous faudra bien 2 semaines de vacances. Je vous donne donc rendez-vous en janvier. Merci pour votre attention.